L'Association des épouses du personnel de l'armée de terre a organisé une journée de consultation ophtalmologique et de communion avec les pensionnaires de la gériatrie de Mylène. Sous le thème « Ensemble, ouvrons nos cœurs, tendons nos mains, semons des sourires ». Pélagie Mbimba, Gérard Miyindo. Ici, au Centre national gérontologie gériatrie de Mylène, le bonheur y a son comble. Ses pensionnaires et des personnes malvoyantes reçoivent la visite des épouses du personnel de l'armée de terre. Ces femmes ont consacré une journée entière aux pensionnaires. Ce geste, tout simplement parce que l'amour se partage, le bonheur se partage et ce sont des personnes qui souvent ont besoin justement d'un coup de pouce pour améliorer leur bien-être. Donc nous avons posé ce geste pour montrer à ces personnes que nous sommes avec eux. Au menu de cette journée, des consultations ophtalmologiques, entretien et remise de dons, des produits de première nécessité et des bacs à ordures pour le bien-être de ces personnes toutes particulières. Merci pour ce geste de solidarité qu'elles viennent de poser. Nous comptons sur elles pour ensemble continuer l'effort que nous faisons sur la réhabilitation de cet hôpital. C'est un sentiment de satisfaction pour nous, ce don qui ne se limitait pas seulement aux produits alimentaires de première nécessité et des produits d'entretien, mais aussi d'un jardin. C'est une première que je vis ça, surtout au milieu des personnes déficientes visuelles. Vraiment, je remercie les épouses de nos vaillants soldats. L'Association des épouses du personnel de l'armée de terre a marqué son passage par l'embellissement de l'espace vert du Centre national de géontologie gériatrie des Mylène. En sport,